Bonjour à tous et bienvenue ici dans ce superbe pays que je traverse en ce moment, que je visite, qui est la Thaïlande. Alors comme vous avez pu le constater, ça fait un petit moment que j'ai pas pris le temps de vous faire une vidéo. C'est tout simplement parce que j'ai pris le temps un petit peu de me recentrer, déterminer les objectifs. Je vous avais parlé de la raison d'être avec l'Igikai. Et puis, durant les vacances, j'ai pris le temps de réfléchir un peu comme vous, ce que je devais faire moi. Comme raison d'être. Alors pour certains qui me connaissent, j'ai commencé par la kiné, ensuite l'ostéo, puis j'ai poursuivi et au fur et à mesure des lectures et des rencontres, là vous en voyez une par exemple, voilà, vous voyez c'est magnifique comme endroit, eh bien j'ai rencontré l'art du kintsugi. Le kintsugi, c'est l'art de réparer les choses et de les embellir. C'est un art japonais qui consistait à, lorsqu'un service à thé par exemple était cassé, à le réparer et à faire en sorte que ces réparations soient plus belles que le service précédent. C'était souvent des réparations dorées. Vous voyez derrière moi le Big Buddha, magnifique. Ou encore les paysages, couper le souffle. Eh bien cet art de kintsugi, c'est ce que j'ai décidé de mettre à profit pour chacun d'entre vous. Parce qu'on a tous des blessures, on a tous des choses qui nous ont fait mal, que ce soit des blessures physiques, psychiques, émotionnelles. Peu importe, on en a tous. Et quelque part, ma raison d'être, eh bien, c'est pas de vous les soigner, c'est pas de vous les enlever, c'est pas même non plus d'être un gourou ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est juste de vous prouver que ce sont également vos plus grandes forces, vos plus grandes ressources, pour être une meilleure personne, pour être plus confortable, pour être plus efficace, ou encore pour améliorer votre business. Peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a une stratégie, et c'est ce que j'ai décidé de mettre à profit un maximum, et cela commencera le 29 septembre avec la conférence gratuite que vous aurez sur Tourcoing. Donc voilà, c'était un petit message sur l'art du kintsugi, et moi je vous souhaite une excellente journée avec le Big Buddha. Ciao ciao.